Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va s'ouvrir pour aujourd'hui? Tout simplement, on va s'ouvrir ce petit coffret édition spéciale. On est sur le soulèvement de la fureur. Je ne sais plus quand c'est sorti, ça date un petit peu. On doit être dans les années, tac 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 tac. Bon, on verra bien, c'est pas grave. On a à l'intérieur 3 boosters. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est pas un deck. On a à l'intérieur donc 3 boosters et on a 2 cartes sur 4. Voilà, il y a une variante. Ce sont des super rares. Donc voilà, c'est un petit coffret qui est bien sympa puisque voilà, vous avez les cartes, les possibilités, elles sont là. Donc 3 boosters et une des cartes. On aura 2 cartes par rapport à ce petit pack. Let's go, j'ai envie de dire. On y va. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas ouvert du Yu-Gi-Oh, mais il va y avoir d'autres ouvertures. Évidemment, bon, c'est compliqué, il y a pas mal de choses en ce moment à faire. Donc on a le soulèvement de la fureur, les 3 boosters, et on aura donc le petit booster avec les cartes. Donc on a Salamangrande Coyote, c'est toujours compliqué à lire, on va le déballer. Et on mettra tout ça évidemment sur sleeve. Alors j'avais des sleeves spéciales Yu-Gi-Oh, je ne sais plus où je les ai mises. Sont légèrement plus petites et on peut pas les utiliser. Alors évidemment on peut utiliser les sleeves de Pokémon, ça marche très bien hein, puisqu'elles sont plus grandes, mais j'en avais acheté les spéciales Yu-Gi-Oh et c'est vrai que j'avais essayé de les mettre sur les Pokémon, ça avait pas marché. Hop, et on aura, oh, la deuxième est vraiment très très jolie, cœur de merveille Marincesse, magnifique. Alors je vais essayer de retrouver ça et si je perds trop de temps on continuera évidemment, parce que j'ai un tiroir sur le côté où il est censé avoir ses sleeves, tout simplement. Bon, je les trouve pas. Donc l'idée, c'est pas que la vidéo dure 12 heures. Ah si, je pense que c'est ça. On va voir. Tac. Je pense qu'elles sont là. Petites sleeves. En plus, j'adore, elles sont très souples. Et ouais, nickel. C'est exactement le bon pattern. Petite une. Et petit 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette série? Est-ce qu'on peut mettre la main sur de belles raretés? Tac. Alors, on a... Moi, j'aime bien. Il y a toujours l'explicatif, un peu comme Dragon Ball Super. 9 cartes dans chaque pack. Donc, il y a 20 rares, 14 super rares, 10 ultra rares, 8 secrètes. C'est énorme. C'est énorme, 8 secrètes. Let's go. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, on commence avec Sabu. Sabu, Sabu, Sabu. Ferveur psychique. Onde de Fuma. Alors ça, on a la carte rare qui est vraiment très jolie. Passer à Demoiselle de Fortune. On a la super rare Avida, reconstructeur des mondes, qui est magnifique aussi. Baba coiffeuse, franchement le détail est incroyable. Fantaisie du miroir des rêves. Elle bosse les ténèbres sacrées de Simorg. Et on a le dino lutteur. Je me souviens de cette carte, le dino lutteur évidemment. Alors est-ce qu'on a à chaque fois, est-ce que c'est le même pattern où on a une super rare et au minimum une rare et une super rare? Est-ce que ça serait pas ce pattern? C'est possible. C'est pas impossible, je sais que voilà, c'est un petit peu comme Pokémon, hein. Vous avez dans des boosters 2 Ultra ou des Holos, des choses comme ça. Peut-être que Yu-Gi-Oh! C'est pareil, ils font des petites variantes. Donc là on est sur une super rare, c'est pas une ultra rare. Ultra rare, il y aurait le titre en doré tout simplement. Allez, on attaque le deuxième booster. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire un mélange spécial, mais j'ai pas envie de compter les cartes pour avoir simplement la spéciale en dernier. Étoile de mer Marincesse. Oh là là, il est très sympa. Reiryu. Brigand, le petit brigand chevalier en armure. On a la carte rare L'Esprit. Mapura. Et on aura... Et là, cette fois-ci, ça fait plaisir. On a une ultra rare, donc carte foil avec le nom, donc le dragon ex-charge
Charge Borel, franchement très très joli, donc le titre en doré, qu'on mettra évidemment, oh là 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 là, le reculien, magnifique, qu'on mettra sous sleeve. Le courant marin cesse, Hyde Reptilia, le dragon DMZ, nickel, franchement je pense qu'on a une ouverture qui est plutôt, plutôt très sympa. Ce dragon ex-charge est vraiment super joli. Hop, allez, allez. Je ne vais pas y arriver. Hein. Parce qu'elles sont plus petites, donc forcément, c'est peut-être pas plus pratique. Alors, je dirais pas que c'est des perfect fit, mais non. Tac, nickel. Et on a aussi l'esprit. On a l'esprit à mettre comme ça, sous sleeve. Allez, dernier booster. Est-ce qu'on arrivera là? Est-ce qu'on va monter crescendo comme ça avec, pourquoi pas, une secrète, ça serait fou. Oh, le perroquet Fouchou, Simorgue, l'oiseau du commencement. On a décharge de pioche, miroitement illusien. Oh, très joli esprit Ténier, Adara, carte rare. Et on aura qu'une super rare, le miroir des rêves de la terreur. Regardez-moi le travail quand même sur la carte, hein, C'est incroyable quand même le niveau de finesse des cartes. Le Simorgue l'oiseau de la calamité. Octroi de l'héritage du monde. Et Inzna Yoshenju. On aura terminé cette ouverture. Je vais mettre tout sous sleeve. Hein. Il me reste encore deux cartes. J'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Deux cartes Yu-Gi-Oh! Ça change un petit peu des ouvertures Pokémon. Et on se dit à très très vite. Allez, ciao ciao!